Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azote aujourd'hui dans cette émission sur la cuisine de notre pays, la cuisine réunionnaise, la cuisine facile à faire. Aujourd'hui, on va faire des haricots verts. Les haricots verts, ils sont très bons pour la santé, on a beaucoup de fibres dedans, beaucoup de vitamines. Nous allons commencer par préparer les haricots, c'est-à-dire nettoyer, enlever les deux fils qu'on a à chaque côté, comme il dit. Alors, bien nettoyer à l'huile. Quand on a fini de nettoyer les haricots, nous cassons en deux, suivant la grandeur, peut-être 3-4 cm de large, et nous mettons à l'huile à bouillir dans de l'eau. Alors, quand il dit mettre à bouillir, juste 2 minutes, pas plus, hein, juste le temps que le haricot il tombe un petit peu, vu que nous, ça fait à l'huile sauter rapidement et vite fait. Nous commençons par mettre un peu d'huile dans une marmite. Et nous ajoute les oignons. Alors, dans le but de cette recette-là, c'est de bien faire compoter les épices, hein, c'est-à-dire que les épices ils fondent bien ensemble, parce que bon, bah, les haricots sautés, s'ils nous mettent à l'huile en bouillon, on n'est pas trop gaillard pour manger. Le but est de faire une affaire assez intéressante. Et puis, mes rappels azote aussi, quand on a des produits frais, comme ça, c'est pas la peine de trop épicer, mettre trop d'épices dedans, parce que des fois, en commentaire, ils voient, ils ne mettent pas ces épices, ils ne mettent pas ici, ils ne mettent pas là-bas, mais ils mettent en fonction de la qualité des épices aussi. Hein. Si on a de l'ail pays, il ne faut pas mettre beaucoup, beaucoup, parce que l'ail pays, elle est assez fort, les goûts, c'est petit et les très bons pour manger. Alors, nous allons ajouter, quand on a fini de mettre les oignons finis bien frites, comme ça là, nous ajoutons le l'ail, le sel et le poivre à l'intérieur. Et comme ça, tu vois, il fait bien revenir, bien compoter tout ensemble de façon à ce que tout ça, il fonde bien. Et quand l'huile a fini bien compoter comme ça, bien mélangé, nous ajoute les haricots verts de préférence frais, hein, fais pas ça avec des haricots verts congelés parce que ça fait bon peu de l'eau en dedans. Alors là, à ce stade-là, septième croquant, un petit peu laissé croquant, moi m'y aime un petit peu cuit les haricots, pas trop, juste au bon degré. Alors nous tournons, nous mélangeons à l'huile bien comme qu'il faut. Alors, les produits que Zoti peut utiliser, c'est des produits où ça, ils vendent dans le ban bazar traditionnel. Hein. Là-dedans, on a des possibilités de trouver de la bonne qualité. On a l'occasion de tomber sur des produits issus de l'agriculture raisonnée. Les très 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 bons. Alors, me dis pas bio, hein, parce que bio, il fait un peu trop commerce, me dis plutôt agriculture raisonnée, c'est-à-dire que je fais un carreau d'haricots à côté là, juste à 100 mètres, on est dans la bouillie des herbes partout, ils mettent des produits dans son champ, donc les abeilles, les mouches, tout ça, ils viennent poser dessus, ils rapportent un peu les saletés de l'autre côté, d'autres carreaux d'haricots, me dirais. Voilà en gros comment faire ce petit sauté-là, simple, facile, hein, comme dit simplement. De l'ail, du sel, du poivre, tout simple, mais très très bon, très très goûteux. Voilà, la recette est finie, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça, mais dans un autre rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau recette. N'y retrouve, tiens bon l'argent.